Pero nunca más, no, pero nunca más, no, nunca más, no, nunca más, no, nunca más. Oh,
bienvenue à cette demi-finale et dernier match de la journée d'aujourd'hui. J'ai à ma gauche, devant le public, vous êtes encore là, oui? Ouais! À ma gauche, Karen, vous êtes statisticien pour ce match. Comme DJ. Je suis Léo. Nous allons voir les deux équipes suivantes s'affronter aujourd'hui. Donc, les Sacrés Bleus. Et Jeanne Marmontagne. On va l'accueillir de la manière que vous voulez bien le faire. Notre arbitre, Olivier Lacan. Merci. Alors, on va commencer avec une introduction mixte. Ah oui, non, je vais faire mon petit mot. Félicitations aux deux équipes. Bonne chance aux deux équipes. Puis un beau spectacle pour la foule. Rajoute, donc montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Peut-être pas littéralement, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, ma première introduction sera mixte. Alors, capitaine, le génie du kiwi. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre. Une durée de 3 minutes de caucus. Ah, la première improvisation sera mixte sur le thème le génie du kiwi. C'est le génie de la vie. Encore une autre fois. Encore
encore une autre fois. Tu sais, tu dois de me demander pour un vœu. Je veux refaire apparaître les cubes pour avoir encore plus de vœux parce que tu es pas trop bonne. Oui, chérie.
tu veux que je aille chercher le réveiller? Il va mourir après. D'accord, je vais te chercher. Me laisse pas, s'il te plaît. Oh chérie, allez, je vais chercher quelque chose. D'accord. Gabriel Dumont. C'est là. Au jeu. Bien, Jocelyne, j'ai eu franchement. Ah. Il faut que tu écoutes. On a essayé dans le cercle et puis tu peux nous dire franchement. Ok. Alors, papa a pris mon carte de crédit et je ne pouvais rien acheter. Il n'a pas. Je sais pourquoi. C'était trop vrai. Toutes mes choses. Je voulais le nouveau iPhone. Oh non. Okay, et je ne pouvais pas avoir parce que mon carte de crédit n'existait pas à moi. Les papas autres. Oh mon Dieu. Je suis chanceuse que c'était juste un cauchemar. Oh, ouais. C'était proche. Mais qu'est-ce qui arrive si... Ça arrive vraiment? Ça n'arriverait pas. Allô? Papa? Oh! Ok. Alors, on n'a plus d'argent. Plus d'argent, ça veut dire que je dois prendre ton carte de crédit. Mon carte de crédit? Carte de crédit? Oui. Viens me voir maintenant. Ok. Maintenant. On devrait retourner tous mes sacs. T'as acheté 5 sacs Gucci, comment est-ce qu'on les retourne? Je le sens, il m'appelle. J'ai dit maintenant. Julien, ok. Trouve un camion, mets les sacs dans le camion. Je me le rappelle. En train d'organiser, il va penser que c'est des pots. Il y a des pots partout, c'est beau. C'est pas très mal. Ne me touche pas, ok? Ok. Papa. Bonjour les filles. Quand? Vas-tu me les donner? Oui, voilà ma carte. Merci. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non? C'est le vrai. Je le mets dans la poubelle. Dans la poubelle? Oui, c'est dans un sac, un de ces 50 sacs. C'est ma carte. Ok, mais ça c'est pourquoi on n'a pas de l'argent. Donc, va le chercher, grande poubelle. Ok. Alors, les deux punitions données par l'arbitre pour cette improvisation vont à Jeunes sans frontières, un retard de jeu et une décrochage. Merci. On passe au vote. Mains, pointe votre vote, s'il vous plaît. Sera mix. Elle aura comme thème livre sans titre. Nombre de joueurs illimité. Catégorie sans caucus. Alors je demanderai un joueur tout de suite des deux équipes. Et ce sera une durée de 2 minutes. Au jeu. Je le prends.
Non. Assez encore. Ach, cause cliché. Mais c'est Jocelyne! Enfin, j'ai tout pris, Jocelyne, non? Ok, ça va, Jocelyne. J'ai besoin de contact pour le studio aujourd'hui. Ok, pour science. Mon livre n'a pas vraiment une couverture, donc je sais pas si c'est science, il n'y a pas de titre. Est-ce que le prof a donné ce livre aujourd'hui? Quand, ou bien, non, depuis l'année! Depuis l'année? Toute l'année! Oh, oui, tu es dans ma classe depuis l'année. Oh, mon Dieu! Oui, ce livre est comme vieux, il est comme... Oui, c'est brisé. J'ai juste venu de dire ça. Ok, qu'est-ce que tu as besoin de l'aide avec? Moi, j'ai besoin de l'aide dans la page 143, exercice 3. Je ne sais même pas comment elle est. Ok, moi non plus. Moi non plus, mais comme... On peut l'écrire sur le tableau des bibliothèques aussi. Attends, je vais prendre ton livre, peut-être qu'on va le trouver dans la page 133. Ok. Ça, c'est pas un livre de chimie. Ok, j'ai dit que je savais pas. Oui, mais ça, c'est pas un livre de chimie. C'est quoi? Enfin, regarde bien mon livre. Attends. Oh non. T'as pris le livre maudit. Éclaire sur vous. What's the deal?
serez les tigres blancs, vous serez les phoenix. Tigre blanc, vous allez le prendre, vous allez le prendre. Excellent. À mon signal, au jeu. Passons au vote, mais pas de vote, s'il vous plaît.
comparer. Elle aura comme thème le temple maudit. Nombre de joueurs illimité. Catégorie début de la fin. Et ce sera une durée de 1 minute. Ok, donc ça va être 1 minute 45, donc 15 secondes pour voir la fin et 1 minute 30. Caucus! Alors, la prochaine improvisation, ça va être une catégorie début de la fin. La prochaine, ça va être une prochaine. Ça une compagnie de venir là.
C'est vraiment beau, au quatre ans. Désolé, il est interdit de jouer dans ce temps, s'il vous plaît. Quoi? Il est interdit de jouer dans ce temps. Je te demandais si tu te dis. Mais tu fais toujours des choses que tu n'as pas S'il vous plaît, j'essaie de méditer. Arrêtez de parler. Merci. Lisette! Ne commencez pas à crier. Hein? J'ai trouvé! C'est ça! Mais c'est moi, tout le monde me connaît. C'est moi, Coco, comment tu peux pas me connaître? Pourquoi c'est toujours moi qui te cache derrière? Parce que c'est toi qui m'as mis c'est dans cette affaire. Comment ça m'énerve, hein? Vous parlez trop! On voulait juste regarder ce temple et... Vous pouvez entrer dans ce temple, entrer sans parler. Maintenant, vous pouvez vous regarder, laisse-moi me toucher. Je vais me toucher, attends. Une touche de moche. Elle a fait. Oh. Et voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons pas de nous, là, c'est vraiment rapide. Oui, une pénalité à GSF pour bon respect de la catégorie. Merci. Ne dérange pas. On passe au vote. Main, point, votre vote. Sera comparée. Alors, comme thème, chair de poule. Nombre de joueurs, 4 par équipe, catégorie exagération. Et ce sera une durée de 4 fois 45 secondes. Caucus. Nous aurons une dernière contestation. Ce sera une comparée sur le terme de chair de poule. Il y aura donc besoin de 4 joueurs par équipe exactement. Et c'est une catégorie exagération dans 4 fois 45 ans. Capitaine, excellent, vous serez le tigre blanc et vous serez le phénix. Phénix. C'est pas capitaine en bon sens. C'est excellent. Vous allez être le premier, le deuxième. Ça, alors, première version normale. Tiens, là, le petit flottis, là.
Excellent, merci beaucoup. Alors, vous allez refaire la même impression, mais on va l'exagérer un petit peu. Au jeu. Mais il est mort aussi. C'est comme dans le trou noir.
sais où est la sortie. Tu dois trouver cette porte. Excellent, merci beaucoup. Et finalement, la dernière fois, donc on l'exagère au maximum. Une protte. Une protte. Oh, comme ça. Oh, pourquoi j'ai jamais lâché le coup? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est... Oh, c'est ma mère. Ça va, maman? Oh, elle est morte. Oh, mon téléphone. Hé, hé, Frédéric, il y a une fête ce soir. Ma mère vient juste de mourir. Fête ce soir. Il faut que je cherche la porte. C'est où la porte? Oh, c'était moi en même temps, hein. Je vais tout juste de sortir. La fête commence. Amène l'éléphant. Amène, amène, amène. Comment dis ça? On le saura pas. Choisir leur étoile du match pendant qu'on fait le compte final. Et ça, je demanderai à l'équipe de Jeunes sans frontières d'aller chercher l'étoile des Sacrés Bleus et Jaunes. Le pointage final.